Nous sommes en direct live avec Pierre Sellier, conseiller municipal, qui nous a rejoint pour nous parler de cet événement qui m'a l'air d'être un événement magique. On va vous en dire un petit peu plus. La promenade des artistes à Saint-Géniès-des-Mourgues. Avant de parler, bien sûr, de cet événement phare de la région, où est situé Saint-Géniès-des-Mourgues? Bonjour à toutes et à tous. Ben effectivement, Saint-Géniès-des-Mourgues, c'est une petite commune de la métropole de Montpellier, située à l'est de Montpellier, tout près de Castries, juste derrière Castries, à côté de Sussargues. Alors, on l'a bien situé parce que c'est important pour les gens qui veulent venir. Et il va y avoir du monde et du beau monde pour cette aventure. Je dis bien l'aventure parce que la promenade des artistes, alors, elle existait, on va dire ça un petit peu, mais pas sous cette forme-là. Tout à fait. En fait, c'est un événement culturel de notre commune qu'on organise tous les ans depuis maintenant 3 éditions. Et pour cette 4e édition, on a choisi en fait de faire rentrer les artistes directement au cœur du village. Jusqu'à présent, sur les précédentes éditions, les artistes étaient sur un lieu un peu emblématique de notre village qui s'appelle la promenade en contrebas du village. Et là, on a voulu intégrer en fait toutes ces expositions au cœur même du village, dans le centre historique, autour de la mairie et de l'abbaye. Voilà, autour du magnifique patrimoine de Saint-Géniès, parce qu'il faut le dire, il y a un magnifique patrimoine avec des petites ruelles qui sont encore vraiment très splendides. Alors, on va dire, on va transformer quelque part tout ça en une espèce de grande scène vivante. Alors, bien sûr, il va y avoir, alors là aussi, il y a une originalité. Ça veut dire que, si je ne me trompe pas, vous avez créé là des divers quartiers pour accueillir divers catégories et styles d'artistes. Effectivement, donc notre objectif, ben, c'est de proposer des expositions qui représentent plusieurs arts différents. Donc ces petits quartiers, ils seront au nombre de 3. Le premier, ce sera le quartier des peintres contemporains et classiques, hein, puisqu'il y aura des œuvres variées de tout style. Le deuxième quartier, c'est un quartier des photographes et autres artistes, donc dans lequel il y aura un mélange éclectique de disciplines artistiques, de la photographie à l'art abstrait. Et enfin, le dernier des quartiers, c'est un quartier des artistes insolites. Donc, c'est un lieu où l'imagination n'a pas de limite, avec des œuvres surprenantes et décalées qui devraient, j'espère, plaire au plus grand nombre. Et puis, bien sûr, il y a alors un invité d'honneur. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire et de mener mes petites enquêtes lorsqu'on fait des événements culturels comme ça aussi importants. Et je dois vous dire que j'ai eu la chance de parcourir la liste de quelques artistes qui ont été sélectionnés, parce que là encore aussi, on le précise, c'est pas juste venez, installez-vous, c'est qu'il y a déjà une sélection, un regard des élus de la mairie sur la qualité des artistes, parce que vous allez accueillir à la fois des artistes cotés et puis à la fois des artistes qui sont autodidactes, j'ai envie de dire, quelque part. C'est ce partage culturel que vous voulez faire ressentir? Tout à fait, c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Alors initialement, dans la promenade des artistes, on n'invitait que des artistes locaux, du village. Et puis petit à petit, on s'est ouvert à d'autres propositions. Et cette année, notamment, on a plus de 40 artistes qui vont participer à notre manifestation dans les 3 quartiers. Et on peut citer notamment, alors, au niveau des pointures, on va dire, il y a notamment Arturo Lagnon, qui est un sculpteur renommé, qui est connu notamment pour sa réalisation du Petit Prince à Palavas-les-Flots. Mais pas que, et donc il y aura pas mal d'artistes, dont certains effectivement qui ont une renommée suffisante et suffisamment importante. Et puis, et vous rendez-vous compte, la communication comme elle est importante, il y a des artistes qui viennent de Lyon, de Bordeaux, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel, de Limoges même, j'ai eu la chance d'avoir quelques artistes au téléphone pour mener ma petite enquête, pour savoir un petit peu ce qu'on allait y découvrir, mais ça va être absolument fantastique, j'ai envie de dire, pour la curiosité à la fois des grands et des petits, parce qu'il va y avoir toutes ces expositions, comme tu nous l'as dit Pierre, mais mon petit doigt m'a dit qu'il va aussi y avoir certaines animations et des ateliers aussi. Alors effectivement, c'est-à-dire que au niveau de l'offre, donc de l'offre artistique, on souhaitait rendre la manifestation la plus éclectique possible. Mais nous, à Saint-Géniès, on souhaite avant tout et toujours faire des animations, faire des expositions qui soient aussi des lieux de festivités, des lieux participatifs dans lesquels
en fait, on trouve avant tout de la convivialité. Donc, il y aura des ateliers participatifs hein, autour duquel, en célébrant en fait la créativité sous toutes ses formes, les visiteurs, ben, ils pourront échanger avec les artistes, participer à des ateliers interactifs et donc profiter d'animations. Donc, au niveau de ces animations, ben, il y aura notamment un groupe musical, Jalive, qui est un groupe en fait local qui se produit dans pas mal d'endroits tout au long du littoral, même dans l'arrière-pays. Donc ça, ce sera une des animations. Mais également, évidemment, hein, l'objectif, c'est que les visiteurs puissent participer en fait à tous ces ateliers interactifs. Et puis, je crois aussi que vous avez voulu mettre un point très important. Et en tout cas, le message a été passé avec certains artistes. C'est vraiment une façon aussi de réunir quelques artistes. Parce qu'on sait que dans ce milieu-là, souvent, les artistes sont un petit peu seuls dans leur créativité. Et le fait d'avoir une exposition comme ça en extérieur, parce que toute la complexité de la chose, c'est ça aussi, hein, c'est en extérieur, ça demande une certaine logistique. Mais vous avez voulu que aussi les artistes puissent profiter de ce moment, ces moments de rencontre aussi entre eux. Tout à fait, réunir 40 artistes dans notre village, c'est quand même pas rien, hein. Ça représente quand même du monde, effectivement, il faut de l'organisation et tout. Et l'objectif, c'est vraiment susciter des rencontres avec les visiteurs, toutes les personnes qui seront intéressées par cette manifestation, réunir les artistes aussi, et encore une fois, dans un cocktail qui alliera convivialité, simplicité et pas mal d'animation. Tout ça pour un moment à la fois festif et artistique. Voilà, et puis on précise, je pense que tu l'as dit, il y a buvette et petite restauration aussi sur place pour accueillir pas mal de monde, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est pas de la restauration qui nous coûte la peau des yeux, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien ciblé pour passer un bon moment convivial. Alors effectivement, le fait, c'est aussi un des avantages d'organiser cette manifestation au cœur du village. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, la restauration, elle sera assurée par le restaurant Lisana qui va proposer mais des choses tout à fait légères, hein, tapas, plancha, vraiment très éclectique, il y aura vraiment le plus grand choix. Et l'avantage du Lisana, notre restaurant qui est sur le plan des cafés, c'est qu'il est situé au cœur de notre commune. Et donc en fait au cœur de la manifestation et de toutes ces ruelles un peu typiques dans lesquelles vous pourrez voir s'exposer toutes les œuvres de nos différents artistes. Et puis, vous allez aussi pouvoir découvrir de magnifiques stands, puisque chaque artiste va pouvoir aménager, on va dire, son stand comme il le souhaite. Vous allez aussi découvrir, alors je lis, hein, bien sûr, mais vous allez pouvoir découvrir aussi pas mal d'artistes en pleine activité, puisqu'il y en a qui vont réaliser quelques prouesses. Et puis, vous allez découvrir, alors moi, je vous y invite, parce que Arthur, l'invité d'honneur que tu as parlé, Pierre, lui, c'est un sculpteur de génie, un sculpteur de fou. Il va venir avec des cactus plus que géants, avec des pieuvres qui sont inattendues et intrigantes. Vous allez pouvoir le découvrir. Et puis, j'ai entendu dire qu'il y avait une artiste sur les 40 ou 50 artistes qui vont être présents, à réaliser une prouesse à main levée sur Saint-Géniès, avec le patrimoine de Saint-Géniès. C'est un tableau qui va être unique et uniquement présenté ce dimanche. Voilà, donc ça c'est très important. Venez à la rencontre de la promenade des artistes, c'est à Saint-Géniès des Mourques, c'est ce dimanche. Alors, j'ai envie de dire, on croise les doigts pour la météo, Pierre, ou pas ? Alors, on croise les doigts, mais normalement, ça devrait quand même passer. La manifestation aura lieu de 9h à 17h. De toute façon, il y aura des lieux pour s'abriter aussi. Mais normalement, a priori, ça devrait être couvert, ça ne va pas être grand soleil, mais ça devrait être sec. Comme dernière question pour les amis visiteurs qui vont venir nombreux et nombreuses. Pour se garer, ça va être compliqué ou c'est simple à Saint-Géniès ? Non, c'est assez simple à Saint-Géniès parce qu'en fait, déjà, il y a un certain nombre de parkings le long des rues adjacentes au cœur historique. Donc, il y a déjà quand même pas mal de places. Il y a aussi des parkings qui sont un petit peu plus excentrés, mais qui restent à 5 minutes à pied. Quand je dis excentré, hein, on est un petit village. Il y en a un vers le pump track à l'entrée de Lunel-Viel. Il y en a un autre vers la cantine et la maison pour tous. Tout ça est parfaitement indiqué et il n'y aura vraiment aucun souci par rapport à ça pour se garer et pouvoir venir à la manifestation. Parfait, merci beaucoup Pierre. Je vous rappelle que si vous voulez que cet événement soit mis à l'honneur,
que Saint-Gilles reçoive une équipe de télé avec caméra et les journalistes directement sur place. Il vous suffit de voter en haut à droite de votre écran le chiffre 1 que vous voyez, et plus il y aura de votes, et plus Saint-Gilles aura la chance de pouvoir gagner un magnifique reportage. Une journée de partage et de découverte, c'est ce dimanche à Saint-Gilles des Mourgues. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Willy. Merci beaucoup à tous. Et on vous attend très nombreux ce dimanche de 9h à 17h pour la promenade des artistes dans le cœur du village.